Tschüss. Moi, je t'enverrai des photos aussi. C'est bon, on part de l'Ambator, on part de la Mongolie, on va prendre une partie du transsibérien, donc ici ça s'appelle plus le transmongolien. On a 24 heures de trajet jusqu'à Beijing, on va passer par le désert de Gobi. Première fois en Chine. De la frontière chinoise, là, le train est arrêté parce qu'en fait il faut qu'ils prennent un certain temps pour changer en fait les rails parce que le système chinois est différent du système mongol, donc ça prend du temps pour changer tout le système ferroviaire. Donc l'occasion pour moi de vous montrer un peu le palace. Donc c'est vite fait, hein, mais finalement tout le confort y est. Finalement le train était super propre, on a trouvé avec Mathias. On s'attendait à un petit truc encore plus, enfin un peu moins entretenu, on va dire. Et finalement c'est pas le cas, c'est quand même chouette, voilà, y a un petit lit, il y en a un deuxième, et nous on a la chance aussi d'être que deux dans cette pièce là. Je viens juste de me réveiller et regarde dehors. Pékin, 16 500 km², il y a 21 millions de personnes qui vivent dans cette ville. On est à un bar qui s'appelle le Migras. Donc petit rooftop pour commencer cette session ici à Pékin, première fois en Chine. Je continue mon voyage avec Mathias. Et voilà, on va aller de surprise en surprise, je vais essayer de vous faire découvrir la ville au maximum.